Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel dans Magix Vidéo Deluxe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un effet de film muet ou d'ancien film. Alors, j'ai utilisé deux vidéos que vous allez trouver bien sûr dans le fichier qui se trouve dans la description. Vous avez un fichier musique et le masque donc qui correspond pour l'effet de traits et de poussière qui apparaît sur des pellicules anciennes. Donc, bien sûr, ce masque-là, je l'ai fait avec After Effects, donc vous inquiétez pas, je ne l'ai pas mis sur Tipeee, il est offert. Donc, résultat, on va commencer par poser hop, sur la piste 1, eh bien, les deux vidéos. Alors, je vais inverser, je vais mettre plutôt celle-ci, voilà, parce que celle-ci, c'est un plan fixe, et celle-ci, c'est un plan où c'est que la caméra bouge. Donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Alors, ce que nous allons faire en premier, on va jouer sur la vitesse. Oui, puisque bon, les films anciens ou muets, ils auraient tendance à être un peu plus accélérés. Donc, on va aller sur effet, utiliser la vitesse dans effet vidéo. Et on, bien sûr, on va sélectionner la première vidéo. Donc, on va cliquer ici sur... mode de souris pour une piste et là on va pouvoir réduire. Donc là je vais mettre jusqu'à, ouais, je vais jouer jusqu'à 15 secondes là, voilà, je vais mettre à 15 secondes ici pour la première vidéo. On va voir ce que ça va faire si je fais lecture. Bon, ça fait un peu trop rapide, donc on va plutôt réduire. Il faut que ce soit assez cohérent aussi par rapport à la réalité. Donc on voit les clignements des yeux. Ça c'est pas trop mal. Alors on va quand même encore faire ceci. Regardez. Ouais, ça c'est bien. Voilà, donc là pour celle-ci c'est calé. On va voir la deuxième. Alors là, comme c'est déjà une vidéo qui est au ralenti, on va l'accélérer. Donc, ça ne va pas être les mêmes facteurs que la première. Alors, on va regarder. Hop. Voilà, on va rester comme ça. Bien, maintenant, on va donner un effet de blind noir. Donc, on va sur effet vidéo, couleur. Et on va baisser la saturation à moins 100. Pareil pour la deuxième vidéo. Alors bien sûr, les valeurs, je vous en donne pas, puisque bon, c'est à chacun de se les fixer en fonction du type de vidéo que vous avez. Donc là, bon, pour ce tutoriel, vous pouvez utiliser ceci, mais pour vos propres vidéos, effectivement, ça sera différent. Ensuite, ce que nous allons faire, comme c'est un plan fixe, celui-ci, on va créer des petites keyframes pour donner un effet de bouger. D'accord? Alors, pour commencer, ici, je vais revenir sur taille position, donc affichage animation, et on va déjà hop, ici sélectionner appliquer et on va agrandir. Donc ici je vais à 75% et je vais agrandir un petit peu. Je veux que l'image sorte de l'écran et c'est volontaire. Pourquoi? Parce qu'on va travailler, on va dire, certains décalages, et il faut pas que bien le film rentre dans l'écran pour voir l'effet de tremblement. Alors on va faire ça manuellement puisqu'il n'y a pas de plugin à cet effet, qui n'existe pas. Donc on y va, on va faire ça à la mano et on va jouer avec le vertical, avec l'horizontal. Donc on va voir tout ça. Donc je vais faire une première clé ici. Je vais compter 1, 2, 3, 3 images. Et là je vais juste baisser comme ceci. (1, 2, 3, 4, 5). Je vais tout remettre en place au milieu. Voilà. Alors, on va voir ce que ça fait. Lecture. Vous avez vu ce que ça fait. Voilà, ça fait comme un effet. On ne sait pas trop où on va. Alors, si vous voyez que c'est un peu trop, ben, rien n'empêche d'enlever quelques clés. Dans la dernière, je vais l'enlever. On va faire comme ça. Vous voyez, celle-ci, c'est pas mal parce que ça fait comme ça sur le côté. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un peu plus loin. On va faire une clé comme ceci. Et on va jouer avec la verticalité.
Voilà. Donc là, si je fais lecture, on va voir ce que ça va faire. Alors là, on peut éventuellement jouer comme ceci. Donc vous voyez, ce sont juste des petits effets hein, que vous pouvez rajouter. Donc là, si vous voulez en rajouter d'autres, le temps de la vidéo, mais rien n'empêche, vous pouvez ici dupliquer. Vous cliquez sur la première keyframe, majuscule, vous maintenez et vous faites la dernière. Donc tout se sélectionne et vous faites un copier. Et là, vous pouvez coller. Vous prenez celle-ci, vous pouvez en prendre simplement que deux clés, comme ceci. Faites copier et vous pouvez les mettre ici, hop, coller. Vous voyez, vous pouvez en prendre deux comme ça, même trois si vous voulez. Faites copier et vous pouvez les mettre plus loin, coller. Vous voyez, c'est... Et après, vous pouvez laisser comme ça. Donc, on va faire lecture, on va voir comment ça bouge. C'est vraiment des petits tremblements. On n'a pas besoin d'en faire 50 000. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va donner un petit effet. Eh bien, de... Alors, celle-ci, je ne la fais pas, hein. Comme je vous expliquais, comme c'est la caméra qui bouge, je ne fais pas de petites clés pour de positionnement. Ça sert à rien. Par contre, là, ici, je vais simplement agrandir l'image parce que vous voyez tout autour, eh bien, c'est noir. Et moi, je ne veux pas de noir. Hop, je veux simplement cacher et que ça rentre dans la taille de l'écran. Voilà, hop, voilà. Pour donner l'effet vignettage, vous allez donc cliquer sur la piste 1, sur modèle, et vous allez repartir sur look film. D'accord, et là, hop, vous ouvrez « et style de film ». Ça va vous ouvrir ceci. Et là, vous avez « vignettage 1 ». Et là, vous déposez ceci sur la vidéo. Et là, si on fait lecture, on voit un petit effet de ça aussi en termes de lumière. Et en plus, ça donne du grain, comme si c'était quelque chose d'ancien. Vous voyez? Donc ça, c'est pas mal. Donc on peut faire exactement la même chose sur l'autre. Hein. Regardez, hop, on fait ça. Et hop, et voilà. Donc vous voyez, les images aujourd'hui, on peut les transformer en ancien film assez facilement. Voilà. Maintenant que c'est terminé, eh bien, ce qu'on va faire, on va l'encoder. On va faire fichier, exporter, encoder. Bien, maintenant, j'ai déposé la vidéo sur la piste 1 qui vient d'être encodée. Et je vais aller chercher donc dans le fichier donc masque. Et là, vous avez masque effet poussière. Voilà. Et vous allez le dupliquer comme ceci. Vous allez sélectionner les deux. Effet chrominance, donc dans effet vidéo, chrominance, et vous mixez. Et là, on a... Ça n'a pas marché sur l'autre, c'est pas grave, on va mixer. Voilà. Donc, si on regarde, eh bien, on voit bien les petits traits. C'est vraiment très fin, mais ça pollue pas trop, on va dire entre guillemets, la vidéo. Ça suffit largement. Alors après, rien n'empêche, hein, vous pouvez simplement mettre un petit peu de luminosité, ça va augmenter un petit peu. Normalement, on voit, mais c'est très 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 fin. Là aussi, on voit. Voilà, donc là, ça fait vraiment un effet comme on le souhaite. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à mettre la musique. Donc vous allez sur importation, hop, musique, yep, comme ceci. Vous coupez où vous souhaitez, T, supprimer. Et là, vous avez votre vidéo qui est prête. Voilà, donc là, je vais encoder, hop, exporter. Eh bien, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Au revoir.